Regardez cette enfant qui est en train de faire une carte pour le Père Noël. Elle a écrit Ella et Papa, son modèle. Mon bébé, tu fais un bonhomme? Non, c'est... J'ai écrit ma famille et moi et mon papa. Oh, et maman, elle est où? Ben, je sais pas faire ton chiffre. Mon chiffre, mes lettres, tu veux dire? Tu sais pas l'écrire? Je vais te l'écrire à côté, comme ça, si tu veux apprendre, tu pourras le faire. Oublie pas les corps des bonhommes, mon petit chat. Les corps de quoi? Des bonhommes. Les bonhommes, ils ont un corps. Ils n'ont pas qu'une tête. Et il y a du corps, il y a les bras et les jambes qui partent. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je suis pas coiffée, pas maquillée, je suis juste habillée pour l'instant. Il est 10h moins 20 et là, passé une mauvaise nuit. Elle a de la fièvre toute la nuit, elle nous a réveillé beaucoup de fois, elle était dans le lit avec nous, mais elle était vraiment pas très en forme. Là maintenant ça va mieux, la fièvre est tombée. Regardez ma lettre. Bon, il est 1h moins 20, on sort de chez le docteur. T'es soignée? Pas vraiment, mais... J'ai attendu peut-être presque 2 heures chez le médecin, c'est toujours aussi cool d'aller là-bas, génial. Bref, et là, une rhinopharyngite et une otite moyenne, donc c'est une petite otite. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut et on repart à la maison. Il faut qu'on se dépêche de manger. J'ai même pas fait ma valise, rien du tout, je suis en détente. Bon, on se retrouve au milieu de l'après-midi. Je viens de tourner une vidéo ici, comme ça. Pour le lancement de la collection Eliros Factory, du coup, si tout est bon, elle est lancée depuis ce matin pour vous. On a galéré, clairement, parce que je devais recevoir les produits par Chronopost aujourd'hui. Tous les produits ont été récupérés par ma mère, elle a tout le stock à Cannes, vu que c'est elle qui gère les envois de la boutique. Mais donc, du coup, il me fallait un exemplaire de chaque pour avoir moi ici, pour faire les photos et pour faire la vidéo de présentation. Et on est passé par Chronopost, qui ne m'a pas livré aujourd'hui, alors qu'il devait me livrer aujourd'hui. Donc j'étais en crise forcément. Mais bon, parce qu'en plus j'ai payé hyper cher pour qu'ils me livrent aujourd'hui, puis ils m'ont pas livré, j'étais dégoûtée. On peut pas compter sur les livreurs, je le sais. Donc j'ai tourné la vidéo de présentation de la nouvelle collection avec des visuels, c'est pas grave, je vous montrerai en vlog les produits lundi quand je les aurai. Et donc voilà, et là elle est au lit, elle était pas bien. Elle a refait une poussée de fièvre, mais elle est sous antibiotiques pendant 5 jours, là, donc ça devrait passer rapidement. Et donc elle fait sa sieste. Là, elle s'est endormie très exactement en une seconde. J'ai même pas fini l'histoire qu'elle était déjà en train de dormir. Et j'ai pas encore fait ma valise. Là, il va falloir que je fasse ma valise parce que dans 1h30, je pars de la maison. Bon, c'est une valise pour 2 jours, donc ça va me prendre vraiment pas longtemps. Je sais pas du tout ce qui m'attend ce week-end, donc je pars avec Google, avec 9 autres influenceuses normalement, pour un super week-end. Ils nous ont organisé plein de trucs, c'est que des surprises, donc on sait pas ce qui nous attend. C'est autour de la mode et c'est pour parler et nous présenter nouveau portable de chez Google, le Pixel 3, qui a l'air assez cool. Donc voilà, vous savez que moi je suis team iPhone à fond. J'aime pas les Samsung, mais par contre je sais qu'il y a plein de nouveaux téléphones qui sont super cool, et celui Google, j'espère qu'il sera cool. On va voir ça, on va tester tout le week-end, ils vont nous en offrir un, donc on va pouvoir tester, faire des stories, faire tout le week-end avec, donc c'est bien. Et je sais qu'on va dormir dans un super bel hôtel demain soir, vraiment un très très bel hôtel, un palace. Et enfin, je pense que je vais vivre clairement un week-end de ouf, mais je culpabilise beaucoup de laisser Nico en galère avec Ella qui est malade, même si là je pense que d'ici demain ça ira beaucoup mieux maintenant qu'elle est en traitement. Mais évidemment, vu qu'elle est dans une période maman, je veux pas que tu me laisses et tout, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, non, ça fait partie de notre métier, on a un métier plutôt cool, mais ça fait aussi partie de notre boulot, hein, de faire des voyages de presse et des choses comme ça. C'est toujours des belles opportunités, donc on peut pas refuser. Surtout qu'elle va être avec son papa et qu'il lui a prévu marché de Noël, goûter de folie et autre chose trop cool, donc elle va être ravie, c'est bien. Bref. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut encore que je fasse des photos pour Nico, pour des concours, parce qu'on organise beaucoup de concours au mois de décembre, et du coup ben, c'est moi qui fais les photos pour tous les produits, donc ça nous prend du temps. Et là j'en ai fait déjà 4 ou 5 ce matin pour Nico et moi, et là je dois encore faire une photo pour Nico, et quand il se lève faut qu'il en fasse une de moi avec un produit. Voilà,
Mais comme ça, au moins, on est tranquille pour le week-end. On sait que pour le niveau photo, on a ce qu'il faut pour commencer à faire nos concours tranquilles. N'hésitez pas du coup à me rajouter sur Instagram si c'est pas encore fait, parce que là vraiment il va y avoir plein de concours et vraiment des super concours. Je suis trop contente de pouvoir mettre en place tout ça. Bon, ça y est, on est parti, direction l'aéroport. C'était la course toute la journée. J'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire, mais franchement j'ai terminé genre un quart d'heure avant qu'on parte quoi. Mais bon, c'est bon. J'ai tourné la vidéo, j'ai récupéré tous les trucs, j'ai fait toutes les photos, donc ça c'est cool. Je pars à Paris du coup, je sais pas dans quel hôtel je vais encore, c'est magnifique. Bon, je suis à l'aéroport, évidemment horrible parce que Ella a fait que pleurer, la pauvre. Je suis à Paris, je viens d'arriver à l'hôtel. Ah, il est déjà 21h30, j'ai pas mangé, je meurs de faim. J'ai eu le malheur de m'endormir 3 minutes dans l'avion, c'était les 3 minutes où la femme est passée devant avec son chariot, comme ça j'étais là, non. Voilà, après j'avais trop la flemme d'aller leur demander quelque chose. Mais de toute façon ils donnent juste un apéro, donc c'était pas le repas. J'ai mal à la gorge par contre, je pense que je suis en train de choper le truc dès là. Je vous fais un petit room tour, je suis dans un hôtel à Opéra, c'est l'hôtel Opéra Marini. Voilà, j'ai retenu le nom, alors je vous le dis. Voilà, la chambre. Donc, voici la chambre, toute mignonne avec les poutres comme ça au plafond. Et la petite salle de bain. Bon, ça va, je vais être bien. Et là, il y a un petit bureau ici. Voilà, pour que je puisse travailler parce que j'ai une soirée entière de travail. Ah, ça c'est cool. J'ai beaucoup de boulot ce soir. Mais ce qui est bien, c'est que demain, ça ne commence qu'à 11h30. On a rendez-vous à l'hôtel Fauchon. C'est tout, rien que ça. Et on dort là-bas en plus. L'hôtel Fauchon, c'est un palace. Et c'est juste au bout de la rue. Donc je suis à pied à 1 minute. Donc rendez-vous à 11h30. Si j'ai envie, je peux me lever à 11h. Ce ne sera pas le cas. Hein, mais bon, je ne vais pas mettre de réveil, je pense, demain. Mais par contre, je vais travailler tard ce soir. Première étape de cette petite arrivée parisienne, commander à manger, parce que clairement Uber Eats c'est ma vie, ça m'a sauvé ma vie là ce soir, j'ai trop faim. Bon, il est 1h03. Je disais quoi tout à l'heure? Demain matin pas de réveil? Ouais d'accord, ouais, quand je vois la masse de travail que j'emporte demain matin. Donc demain matin pour moi, lancement de la collection Les Rose Factory. Tout est prêt, il y a le reste juste à appuyer sur en ligne. Donc aussi j'ai monté le vlog que vous venez de voir. Là je suis juste en train de tourner la dernière séquence que je rajouterai demain matin avant de l'exporter. Je devais monter une vidéo pour Nico. Sauf que je me suis rendu compte qu'il me manquait un rush. Donc il faut qu'il me l'envoie en WeTransfer demain. La galère, que je monte demain soir. Et bon, j'ai plein de mails et tout à envoyer demain matin. Mais bon, ça je vais me lever tôt, je pense que je vais mettre le réveil à 7h. Vu que c'est à 11h30 après. J'aurai le temps d'aller au petit-déj, de faire tout ce que j'ai à faire, de me laver les cheveux, tout ça. Et comme ça, j'aurai bien le temps, quoi. Donc c'est cool. Je me suis commandé indien. Je me suis mangé un bon curry avec du riz... comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils appellent ça. Le riz avec les fruits secs à l'intérieur. Et avec un naan au fromage. Parce que c'est trop ma vie, les nanes. Nico, il m'en avait fait une fois, c'est trop bon. Bref, dès que j'ai l'occasion de manger indien, vous le savez, je mange indien, donc je me suis régalée. Je vais me coucher. Il faut que je me démaquille d'abord, hein. On est d'accord. Je vais me coucher, je pense que je vais trop bien dormir. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs je veux absolument ça. Pourquoi? Comment c'est possible que dans les hôtels, les draps et la literie soit aussi confortable tout le temps, genre en mode méga doux? Les draps ils sont d'une qualité toute douce et tout, et chez toi c'est pas pareil. Chez toi tes draps ils sont tout rêches et tout. Y a que dans les hôtels qu'on a ça. Moi je voudrais ça, des coussins trop confortables comme ça et tout pour chez moi. Faut vraiment que je m'occupe de trouver une literie. D'ailleurs ça c'est une question pour ceux qui s'y connaissent, parce que je sais qu'il y en a qui s'y connaissent. Je crois que c'est la taille des fils ou je sais pas quoi, faut acheter des draps comment? Ça s'appelle comment les draps comme ça qu'on a dans les hôtels? Trop confortable. Et les oreillers et tout. Si vous savez où je peux trouver de la literie comme ça, dites-le moi. Franchement, ça m'intéresse trop.
Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vais. Ah, j'aime tous vous faire bailler. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.